Document. Ce jour-là, le 17 mai 1997, assassinat du général Meiyelle. 16 ans après, des témoins racontent comment le apostrophe tigre est tombé, 5 ans après l'entrée triomphale des troupes de Kabila à Kinshasa, au terme d'une victorieuse campagne de prod de 7 mois à travers l'immense territoire de la RDC. L'opinion, dans la capitale congolaise, se souvient particulièrement de deux événements palpitants qui ont marqué les folles journées des 16 et 17 mai 1997, la mort tragique du général Meyele. Le tout dernier ministre de la défense et chef d'état-major général des forces armées adroises et la débandade de la tristement célèbre division spéciale présidentielle DSP. Dans la nuit du 16 au 17 mai 1997, le général Meyele est assassiné au Camp sa mort intervient quelques heures avant l'entrée de la FEDL dans la capitale et presque 17 heures après le départ du maréchal Mobutus Euse Seko pour Badolite, l'armée ne pouvant plus assurer sa sécurité R -15 à Kinsasa. Message lui transmis dans la nuit du 15 au 16 mai en sa résidence du camp Chasti par les généraux Liculia, premier ministre, Meyelle, chef d'état-major général, ministre de la Défense, et Zambi, commandant de la division spéciale présidentielle, DSP. Cet entretien a lieu peu après le retour du maréchal Mobutu de Pointe-Noire où Kabila lui a posé un lapin sur Utenikui. Diverses versions alimentent jusqu'aujourd'hui la mort du tigre. Des noms ont été avancés alors que le véritable assassin est là, quelque part. Seuls ses frères d'armes le connaissent. La mort du général Meyele intervient également dans de circonstances particulières. Le pays est en guerre. Le commandant suprême des phases quitte précipitamment la capitale. Le commandant de la division spéciale présidentielle disparaît sans laisser des traces. On signale la présence des Cadogots dans la périphérie, le gouvernement ne dit mot. Dans les milieux militaires, on parle de trahison, on cite des noms. C'est dans ce climat de malaise général, de suspicion, d'incertitude, de méfiance que le général Meyele est tué par un freur d'armes un colonel de la DSP qui a requis l'anonymat. À 11h, je me suis trouvé à l'aéroport de Kibomango, ce qui m'a permis d'assister au départ du maréchal Mobutu. Un départ catastrophique qui a provoqué panique, désolation et tristesse des militaires présents à l'aéroport. Je tiens à souligner ici que l'avion du maréchal a dû changer de direction de décollage parce que l'ennemi allait tirer sur l'avion. Il a décollé vers Njili. Non loin de l'aéroport, au camp Seta précisément, les éléments de l'escadron d'Ambanzan Gonguon ont ouvert le feu sur ceux du 3e brigade. Je n'en sais pourquoi. De là, j'ai fait quelques courses professionnelles. Et c'est seulement vers 22h que je suis rentré au camp Tchatchi. Malgré le départ de certains éléments et l'évacuation de quelques failles, j'ai trouvé des attroupements par-ci par-là. Ce qui est normal puisque nous étions en état d'alerte. Et là, J'apprendrai le départ du commandant de la division spéciale présidentielle, le général Zambi. Vers 23h arrive le chef d'état-major général, le ministre de la Défense dans une voiture noire de marque d'eau. Et avec lui un officier de sécurité et son chauffeur. La Jeep et tous sa garde n'ont pas reçu l'autorisation d'entrer. S'ensuit une discussion entre la garde du camp Tshachi et celle du général Meyer, les discussions qui se terminent par la mort de son Txim officier de sécurité, un sous-lieutenant. Toutefois, les choses ne s'annoncent pas bien, me dis-je, la barrière s'ouvre et la voiture du général fait son entrée au camp. Le chef d'état-major réunit les officiers et tient ce langage en lingala, je cite, en ya Bizo. Bobangata, Naba pas militaire ni osobisi al kiba soda basalit. Panique zali makazi kazi awanakuti kimya. C'est bon. Zali en boka nabisoto toko calme. Tozila massage ya premier ministre la pays est nôtre. N'ayez pas peur. Dans tous les camps où je suis passé, il n'y a presque plus de militaires. Partout il y a panique. Mais, ici c'est bon. C'est notre pays, nous allons arranger ou réorganiser. Soyez calme. Attendons l'adresse du Premier ministre à la nation. La réunion s'est tenue à dix ou vingt minutes de la barrière sous le manguier. Triangle pour ceux qui connaissent le camp Tchatchi. L'endroit était éclairé. Du reste, il y avait de la lumière au camp comme d'habitude. Le mot du général n'annonçait rien de bon. L'adresse du général n'a pas duré. Juste après, il est monté dans sa voiture. À sa sortie du camp, une voix cria Kanga barire, Abimat, soki abimi a kokufat. Abomibisom agit. Afutibisote. Pe soki abimi, ennemi à kokota, traître. Il ne sort pas. S'il essaie, il va mourir. Il nous a beaucoup tués, il ne nous a pas payés. Dès qu'il sortira, l'ennemi va envahir le camp. C'est un traître. Le général Meyel réagit réagit en militaire et sort de sa voiture, harangue les militaires et leur dit Quoi, vous voulez maroter Allez-y. Il va au corps de garde. Le commandant second de la DSP le suit et le supplie de sortir du corps de garde et de retourner dans sa voiture. Pendant ce temps, les militaires qui s'étaient attroupés au loin s'avancent vers le corps de garde. Le climat devient tendu. Le général Vesago se met entre le chef d'état-major général et les militaires en colère, surexcités avec le départ précipité du commandant supprimé de leur commandant. Ils étaient plus de 3000, toutes les unités confondues. Le général Oisago rappelle les militaires à l'ordre. Mais, personne ne veut l'écouter. Il rentre dans le corps de garde, convainc le chef d'état-major général, le fait sortir du corps de garde. Le général Mayelé reprend place à bord de sa voiture. Puis virent les premiers rafales avec une forte intensité. En bon commando, le général Mayelé baisse son siège. Son chauffeur sort de la voiture et un militaire lui demande de fuir. En ce moment, son officier de sécurité le major Agoloa, aujourd'hui général, appelle l'attaché militaire français et l'informe de l'infortune du général Mayelé. Le français répond, on le lui a interdit mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas Il criait pratiquement. C'est ce qui m'a permis de tout suivre. Je me retourne, je vois le colonel Tandeyo, le chef d'état-major de la DSP, et l'en informe. Et c'est en ce moment qu'arrive le colonel Amuli avec ses troupes. Il revenait de l'aéroport. Le général mélait-les de la voiture et commence à intimider les militaires. Puis, il trouve refuge sous sa voiture. Le général Ouazago le supplie de sortir de là. L'heure était forte avancée, minuit était passé depuis. En ce moment arrive une Jeep qui s'arrête sous le manguier pro du corps de garde. Les occupants avaient une arme à lunettes avec des réticules. Pourquoi faire Je ne sais pas. L'attroupement s'agrandissait. Même quelques femmes qui sont restées au camp cette nuit-là ont rejoint le groupe. Et l'attroupement était tel qu'il était difficile de se faire entendre et de confronter les militaires. On réussit de nouveau à convaincre le général Maul de sortir de son refuge, sous la voiture. Ensuite, le général Ouisago demande de replacer la voiture vers la sortie. Les deux généraux s'avancent vers la voiture, le commandant second de la DSP devant suivi du chef Tiklung. Je tiens à souligner que le général Ouisago continuait à calmer les militaires, allant jusqu'à risquer sa vie pour sauver le général Meyele. Je me rappelle. Un militaire a menacé de tirer sur lui au cas où il ne livrait pas le général Meyélé. Mais, il a préféré être tiré en se plaçant en face de l'arme pointée au lieu d'accéder à la demande du militaire. Quel courage Le commandant second de la DSP, le général Ouazago, le supplie de sortir. Pendant qu'il s'avance vers la voiture, surgit du quartier des soldats un adjudant artilleur de formation au nom de Fouani. Personne ne lui accorde une attention particulière. Tous les regards étant tournés vers les deux généraux. Il avait une usine en main, tous nous étions armés, prêts au combat. Puis au moment où on s'y attendait le moins, détonation, rafale. C'était vers 1h15, 1h20. Le général Oisago sursaute, se tourne vers le général Meyélé qui a juste le temps de pousser un cri. Il est propulsé et s'affale dans son sang. Puis des voix crient « Mission accomplie !» Suivi une débandade sans nom. Pendant que les militaires menaçaient le général Meyele et après les premiers rafales, le capitaine Kongulu Mobutu, le fils du maréchal et son escorte sont arrivés au portail central du Kanchiachi, mais on leur refusa l'entrée. À 3h du matin, Orfi annoncera l'amont du général Meyele abattu par la DSP de Mobutu.